Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Against the Storm. On continue notre petite aventure dans nos marais. On avait terminé notre petite. Enfin, on avait ouvert la clairière ici, on était en train de faire tranquillement des choses, mais on est clairement en dash de personnes. C'est le début de la bruine. On travaille sur notre rosée, du coup. On a un humain qui travaille à bâtir et on est en dash de bois, clairement. Heureusement, on a un petit peu de charbon, donc ça c'est déjà bien. Ça va nous permettre de fabriquer un peu et tranquillement on se dirige pour faire cette mission là. Là, une fois qu'on aura ça également, ça nous aidera un peu. Et je me tâte à récupérer des gens peut-être là. Là et là, parce que ça c'est pas non plus une priorité pour aller chercher ça là. Avoir 4 personnes de plus, je pense que ça nous aiderait carrément. Donc lui, on va attendre qu'il ait terminé. On va mettre une limite à 10, comme ça après il s'arrêtera. Et là pareil, on va mettre une limite à 5, comme ça après il s'arrêtera. Et on les enverra ici chercher ces gens là. Ça nous fera du bien un petit peu plus de monde. Mais on a toujours pas de castor. Alors j'ai rapproché le camp de bûcheronnage ici pour qu'il nous sorte un peu plus de bois, parce que c'est quand même la dèche, là-bas c'était beaucoup trop loin. Surtout sans les routes. Comme ça, on aura un approvisionnement un petit peu plus rapide. Allez, toi tu termines la maison, comme ça, là... Ah bah tiens d'ailleurs, vous... On va vous booster, non? Ça devrait vous passer... Ouais, parfait. On va profiter du bonus de gain de réputation, là. Nickel. Surtout qu'elle donne pas mal, elle, je pense. 0,15, ouais, pas tant, en fait. Pas tant que ça. En même temps, ils sont que 5. Mais c'est pas grave, on va les booster un peu. Ça va monter tranquillement comme ça, vu qu'on galère un peu avec nos missions là. Alors ça on a terminé, c'est de l'agriculture, ouais, il nous faudrait l'humain ici. Allez, go pour un humain. On va mettre des champignons, comme ça si on en ramasse c'est bon. Les ballots de matériaux de construction... Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a ? Du tissu, on en faisait ici. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, on en a besoin de 12, donc on va mettre une limite de 12 là, voilà. C'est parti. Travaillez les gars. Là, on va rapprocher. Hop. Eux, ils vont finir ces œufs-là. Et on pourra les envoyer là pour libérer un petit champ supplémentaire. Alors, on a deux bâtisseurs lézards, tiens. Donc, toi, t'as terminé. Ah, donc, du coup, si on a déjà deux personnes, on va les envoyer là. Hop. C'est parti. Et on a une nouvelle caravane. Un petit peu de charbon et des humains. On prend les humains. On va avoir besoin d'humains pour notre fermette ici. Par contre, il nous faudra des maisons. On peut faire des maisons pour les arts maintenant. Hein. On peut complètement faire des maisons pour les arts. Alors, du coup, juste ce truc là d'une case parce que voilà, c'est bon. Hop. De la maison pour les arts. Ça, on va le déplacer, c'est gratuit, parfait. On va le mettre là. On va faire 3 maisons pour lézard. Ça va booster un petit peu leur contentement, qui d'ailleurs se casse un peu la tronche. Et recaneton, bienvenue sur le live. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Ok, là on a pas mal de monde du coup. Comment ça se fait qu'on a plein de monde d'un coup là? Alors du coup, si on a plein de monde, là on va mettre une personne de plus, et là on va mettre la priorité sur ça. On va mettre une personne peut-être de plus à faire des planches, non. Là c'est pas une priorité, hein. La savate on en a fait un peu mais on n'a pas de quoi la consommer. Ici par contre ça peut nous permettre de vendre de manière assez intéressante, ici on est plein niveau bouffe. Ah ça y est, le camp de chasse ici, il est vide,
On va l'envoyer là. Voilà, c'est parti. Très bon repas, ouais. Merci Kenton, j'espère que toi aussi t'as bien mangé. Les ballots d'articles de luxe, on va en faire déjà 5 max. Bon, 9 camps agricoles, c'est pas ouf, hein. Toi du coup, tu fais du tissu, t'as plus rien pour faire du tissu, mais continue quand même à faire du tissu si tu peux. Tu prépares ton chocolat chaud pour le goûter, c'est vrai qu'il est 17h, hein, un goûter, totalement légite. Allez, là on va peut-être réussir à gagner un peu, 0,08. Ah, du coup ça monte, vu qu'on dès qu'on a le plus de bonus de brune, c'est moins intéressant. Je pense qu'on désactivera leur boost au moment de la tempête. Oula, ça baisse d'un coup là. Ah, on est passé au niveau d'hostilité 1, zut. Ici il arrive quand lui? 2030. Il va arriver juste avant la tempête. Donc ça va être le moment de fabriquer des trucs à lui vendre. Du coup on va remettre... On a plein de monde là. Et on a aussi plein de monde qui est sans abri du coup. On va refaire une maison de lézard supplémentaire. Et celle-là ça va pas passer, c'est en dehors de la... du truc. Ça est-ce qu'on détruirait? Non, on va pas le détruire. Mais on va envoyer des gens travailler dedans. On en veut combien? On n'en veut pas en fait, non, non on n'en veut pas. Pas la peine, ouais si, remarque. On va les envoyer travailler dedans, ne serait-ce que pour qu'on ait des choses à vendre en fait. On va faire 10 de chaque avant que le marchand arrive. Et toi tu peux pas faire de tissu, c'est vraiment chiant ça par contre. Notre approvisionnement en cuir, maintenant qu'on a plus les bouts de viande là, il est totalement aléatoire à 5% sur le bois. Et du coup, c'est un petit peu critique. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on lance cette ferme là en vrai. Ah, plus, elle peut même pas prendre ça quoi. On peut pas utiliser ces champs là en fait. Alors, ok, parfait. On a un. Plan. Je pense que pour le coup on va prendre le logis des explorateurs pour faire la savate. La taverne ça aurait été bien parce qu'on aurait pu faire savate et bière. Mais ils ont besoin d'éducation je crois eux aussi. Non de religion, loisirs et religion. Donc ça servira pas aux humains mais tant pis. On va quand même prendre ça. 20 planches pour le faire par contre. Pff, ça pique. Ça passe là? Non, ça passe pas. Ah, c'est parti, 20 planches pour le faire. Le bois, du coup, ça augmente. On va rajouter quelqu'un aux planches. Alors, en termes de trucs chauds, toc toc, fumoir c'est plein, là c'est plein. On pourrait mettre. Alors, non, pas un humain. Là, des gens au fourneau. La tonnellerie, c'est du bois. Le moulin à pluie. Alors le moulin à pluie c'est cool mais vu qu'on n'a pas de céréales c'est pas facile. Je pense qu'il va être temps de construire un petit camp. Camp de récolte, non les champignons c'est quoi? Camp d'herboristerie. Il faut qu'on ramasse des champignons. Ça c'est un truc qui se fabrique facilement avec un peu de bois, un peu de composants. On va pouvoir mettre des humains dedans et on a des missions à prendre alors. Loisirs, bah du coup non. 8 routes commerciales et de l'ambre. Bah on va prendre ça, tant pis. Je pense que les deux on va te galérer mais... 16 humains, on en a que 6 pour l'instant. Ou alors des ballots de construction et de commerce. Et on a pas mal de petits boosts. Ça c'est quoi? Plus 2 à la production de poterie, oui bon, on s'en fout un peu. Bon les 25 d'ambre ils sont cool mais... On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Alors eux ils transportent toutes leurs petites fabrications là.
Alors là, on a des gens qui n'ont pas de toit, hein, le temps qu'ils construisent ces maisons-là. On va mettre la priorité sur les maisons. Mais tant qu'on peut pas faire de tissu, de façon... On l'a dans l'os pour les maisons. Là, on peut ramasser... Ah, là, on peut mettre des humains. Ah non, c'est alchimie, c'était harpie qu'il nous faudrait ici. Viens là, toi. Hop. Et toi, vu que tu travailles pas, viens là. Hop. Ici, du coup. On va mettre un lézard supplémentaire. On n'a pas d'endroit chaud où les mettre. Si, on pourrait remettre au fourneau, mais c'est pas hyper utile. L'ancien foyer s'est rempli. Les camps de chasse, ils sont déjà pleins. Ouais, donc c'est pas le souci. Le haut fourneau, il fait quoi déjà? Rien du coup. Tu vas pouvoir prendre des légumes quand on en aura. Il donne juste un bonus de chaleur. Pas hyper utile. Là par contre, c'est notre seule manière de faire des tissus, donc il faut quelqu'un, même si il le fait pas souvent. Alors, qui c'est qui n'a plus rien? Toi, t'as plus rien. Ah, et là, on commence à être en déj, parce qu'on a déjà un camp de chasse qui tourne ici. Donc on va devoir laisser tomber. Il va falloir qu'on cherche. Ici, on a une petite clairière à ouvrir. On va remettre notre camp de bûcheron là, je pense. Et on va ouvrir ça. Et le camp de chasse, bah, il a pas de dépôt, mais du coup on va virer les deux là. On va les récupérer pour faire autre chose, peut-être reconstruire un de ces trucs là. Hutte de forestier pour produire de la résine, mais à partir de quoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas de petite loupe pour donner les recettes, donc ça veut dire que c'est probablement de tout seul. Et salut, enfin Rosikino. Et oui, j'ai bien mangé, merci. Et ici, on pourrait produire de la poterie et de la farine. Mais la farine, c'est naze. Et les lingots de cuivre, c'est naze. Donc le seul truc qu'on ferait, c'est de la poterie. Donc, franchement, ça vaut pas le coup. Chubity aussi, elle a bien mangé, me dit-on dans mon oreillette. Ici, on n'a pas de quoi travailler. Bah ouais, pas de quoi travailler. On n'a pas de quoi travailler, hein, c'est comme ça. Des ballots de matériaux de construction. Ah si, il nous faudra des ballots de culture et de la marchandise de commerce. Mais on n'en a pas de la marchandise de commerce, en fait, pour l'instant. On n'a aucun moyen d'en faire. Si, peut-être là. Non, ça c'est du luxe, ça. Alors attention, ça va bientôt être la fin de l'accalmie. On va désactiver ce bonus rapidement. Ça y est, Zorg est arrivé. Alors Zorg, qu'est-ce que tu nous proposes? De la viande, ouais. De la farine, bof. Ah, j'aurais bien voulu qu'il ait de la fibre ou des roseaux, un truc pour pouvoir faire du tissu. On peut acheter ça, la capacité de tous les bâtiments est augmentée. Un piège à insectes. Un insecte pour chaque production de deux champignons. Ça c'est pas mal parce qu'on en produit pas mal des champignons. Les biscuits peuvent désormais être fournis au four à céramique et au moulin à pluie. Biscuits à 2 étoiles. Notre bâtiment qui fait des biscuits là, c'est à 1 étoile. Donc ce serait intéressant quand même. En fait ces deux trucs sont intéressants. En fait tous ces trucs sont intéressants lui. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Des ballots de culture, des ballots de provisions. 0,87, il prend ça, 0,59. Allez, si on vend tout, on est à 8. Attends, c'est pas ouf. On est à 11. Donc en gros, on pourrait prendre une recette de biscuits et un truc comme ça, quoi. Enfin, sachant que l'ambre est à 1,25, même pas forcément. Qu'on complète un peu avec un truc. Il aime bien les matériaux bruts lui, hein. Et ça c'est trop intéressant, hein. Ce truc là il est hyper intéressant quoi. On va prendre ça. Et ce truc là est hyper cool aussi, mais on peut pas se permettre malheureusement. On peut pas se permettre, hein.
Alors si on pouvait gratter deux pour avoir au moins ce truc-là. Ça vaut 8. Ouais, on pourrait se permettre, hein. Putain, par contre, on perd, hein. Sachant qu'il faut qu'on commerce, hein, parce que on a le truc qui nous donne un bonus là de le commerce protégé là. Tous les 25 de vente, on réduit l'hostilité de 15 points. Donc il faut qu'on le vende, hein. Il faut qu'on vende. Alors, est-ce qu'on peut vendre encore un petit peu assez pour avoir 18? Ça paraît compliqué. Il faudrait 4. Donc ça vaut 5. Alors les machineries, non, on la garde. La farine, tu vends ça que dalle. La viande, bof. Le mieux, c'est les briques. Mais les briques, vu qu'on a aucun moyen d'en faire, on va vendre les œufs. Ouais, 5 pour 5, 0,7, c'est pas mal. Et du coup, on va prendre ça. Et donc là, dans le moulin à puits, maintenant, on peut faire des biscuits. Donc on va le virer là. Voilà. Alors ça va pas être ouf, hein, parce qu'on a toujours pas trop ce qu'il faut, mais on va y travailler. Dès que cette foutue ferme sera finie, on va y travailler. C'est une partie qui est pas simple, hein. Ils sont un petit peu énervés les gens. On a toujours 3 personnes là, ouais. Alors on a toujours 5 personnes qui n'ont pas de maison, il va falloir qu'on fasse un abri à la con. Ça peut être déplacé gratuitement ce truc. On va le virer là et on va faire une maison à la place. Un abri de base. Alors c'est la tempête, on va virer ça. Voilà. Parce que sinon ils vont vraiment descendre beaucoup trop bas. Ça c'est le camp de chasse, ouais. On a tellement pas de matières premières, c'est ouf quoi. Il faut plus de monde ici pour faire des planches. On va monter la priorité et on va monter à 15 planches d'avance. Hello. Bon là on a cramé ce qu'on avait préparé pour nos trucs, hein, mais tant pis, c'est comme ça. Et cette mine là, j'aimerais bien qu'on la finisse aussi. Ce qui nous manque, c'est vraiment les planches. Les planches, c'est un vrai problème. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Alors on pourrait recycler éventuellement des trucs pour deux planches. Du cuivre et de l'encens, on aurait là. Ça, je pense qu'on va le recycler. C'est parti. Alors, il va falloir deux planches, hein. Mais on va récupérer quand même pas mal de trucs et surtout on va récupérer la place, on pourra peut-être mettre notre fermette là. Ça on va l'enlever du coup. Ça se déplace. Ah ça se déplace gratuitement, donc c'est pas la peine de s'embêter. S'ils en sont où là? Ils vont bientôt ouvrir. Alors, ah on a ça. Ça c'est de la viande ça. Camp de chasse. Par contre il n'y en a qu'un. Une petite couveuse escarglisse, c'est pas oufissime non plus. Mais cela dit, en mettant le camp de chasse là, il est capable de tout ramasser, donc on pourrait quand même mettre des lézards. Alors des lézards, on en a où? On vire un là, il n'y a pas besoin d'être 15. Le camp de bûcheronnage, il faut du monde. Le fumoir, ouais. La tonnellerie, y a pas besoin d'autant de personnes à la tonnellerie. Un là. Ah putain. Va-t'en, notif. Un là et un là. Voilà, c'est parti. Tonnellerie, on est d'accord, hein, il faut un peu de savate. Il peut être tout seul le gars. Déjà le temps qu'il a des ressources pour bosser. Là. Avec le fait qu'on va créer des insectes en rattrapant des champignons, ça va nous permettre de créer de la rosée cristallisée. Ce qui va être bien plus intéressant. Par contre, ce qui nous manque du coup, c'est la caillasse. Hein. On n'a aucun moyen d'avoir de la pierre. Un pilier. Un, la résolution par palier de 3 niveaux de relation avec les autres colonies. Alors, pour l'instant, on n'a fait aucun
Aucune route commerciale, donc c'est pas tout de suite. Les fermiers ont 75% de chance de produire un double rendement sous l'effet de biscuits. Bah, on essaye d'en faire des biscuits, donc go. Même si, bah, pour l'instant, c'est pas ouf. Bah, vous allez attendre d'avoir ce qu'il faut. Hein. Puis c'est tout. Alors, on a encore une personne qui n'a pas de maison, mais dès qu'on aura réussi à fabriquer ça, ce sera bon. Et il faut absolument qu'on avance nos missions. C'est chaud. Hein. On est quand même en galère. Ils arrivent quand les nouveaux? 2 minutes. Faut qu'on mette des gens à travailler pas là, ici. Et on en a déjà deux qui travaillent ici. Ouais, c'est peut-être pas utile. Si c'est pareil, on n'a pas ce qu'il faut. On a tellement pas ce qu'il faut pour faire du tissu. On va en enlever un pour récupérer du monde. Ici, ils y arrivent avec leurs planches ou pas? Non. Donc là, on va mettre un lézard de plus pour faire plus de planches. Et là, il faudrait qu'on s'étende. Alors, il faudrait qu'on s'étende. Il faudrait qu'on s'étende par où? On pourrait continuer de creuser là pour aller chercher ça. Peut-être ici plutôt. Il va jusqu'où le foyer? Ouais, ici c'est pas mal. On va ouvrir cette clairière-là. Le camp de bûcheronnage, il vient là. Donc ça va être une clairière dangereuse. Attends, ils sont énormes ces trucs quoi. 40% de chance d'avoir des insectes. Est-ce que c'est... Alors attendez, il est où notre petit camp qui ramasse des champis là? Merde, là. Là on a combien de chances? On a 20% de chance de le faire ici. Bah non, mais allez ramasser là. Soyez pas bête. Oui, je sais, c'est moi qui suis bête, mais c'est pas grave. Soyez pas bête quand même. Alors on est dans la bruine. Zut, il faut que je booste ces gens. Ceux-là ou ceux-là? Là on a combien? 16, 22. Ça passe pas, donc ceux-là. Bon, on a perdu un petit peu de temps de ce bonus, mais on va le mettre à fond. Vu qu'on galère un peu avec nos missions, au moins. Alors là, ça y est, on a enfin terminé ça. Il nous faut des humains. Il nous faut un humain. Toi, tu viens là. Hop. Là, on va mettre. Ça y est, il y a les deux planches, donc il faut un peu de monde quand même pour faire ça. Ah non, ça marche pas, on a que... c'est qu'un petit camp, merde. Ah la déception. Bon, si on trouve le plan du grand camp, eh ben il faudra qu'on prenne le grand camp. Et salut Xebus, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Et oui, on avance un petit peu Against the Storm. Petite colonie dans les marais. Alors là, il nous reste qu'une seule personne. Est-ce qu'on peut pas récupérer des gens qui glaneraient quelque part? Genre là, le haut fourneau. Allez hop, tu viens là. La fermette, il travaille à fond. Le camp de chasse aussi. La hutte de forestier. C'est un travail de longue haleine. On va foutre 3 personnes à la mine. 3 personnes à la mine. Et améliorer ça. Des briques, non. C'est pas très, c'est pas ouf. On a quand même 120 de charbon à récupérer là. Hein. C'est quand même pas mal. Si on arrive à faire le l'éducation et la savate, on sera bien. Mais c'est les planches qui pêchent. Les parchemins, on sait fabriquer des parchemins. Au moulin à pluie, on sait fabriquer des parchemins. Et c'est tout. Il nous faut du vin ou des onguents. Donc bon. Ah, on va manquer de combustible. Merde. Qu'est-ce que vous foutez? Vous travaillez, vous? Ouais, vous travaillez. Et là, on va commencer à faire du charbon. Ça devrait aller pour le combustible. Alors, qu'est-ce qu'on a popé? On est en bruine. Donc ça va, on a encore un peu le temps avant la tempête. Et on a des nouveaux gens. Toujours pas de castor. C'est ouf, hein? On n'a pas de castor, quoi. Des lézards, on commence quand même à en avoir beaucoup. Ah, il nous faut de la pierre. On va prendre cette caravane-là.
Par contre, il va nous falloir un abri de plus là. Parce que même quand ils auront fait cette maison, ça va pas le faire. On a plus trop de place. Si on pourrait éventuellement partir là. Si on fait un chemin là. Ouais, ça passe. Mais on n'a pas beaucoup de bois quoi. Et toi, t'es passé au niveau d'après? Non, il nous faudrait 4 de trucs bleus. Donc on va faire des lampes. Ça coûte des planches, bah ouais. De toute façon, tout coûte des planches là-dedans. Les planches, c'est un vrai problème. Très clairement. Quelques castors depuis Timberborn, bah écoute, pourquoi pas. Alors, on a eu des nids de serpents grands. Ah, ça par contre, c'est cool. On va peut-être pouvoir foutre un camp de chasse pas très loin, parce que là, ils sont tout seuls. Ah, mais eux, ils ramassent de la viande, donc ça m'embête. Où est l'autre camp de chasse? Par là, je crois. Non. Tac, 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 là. Vous... Vous avez pas fini l'œuf qui est là, c'est pas grave, vous allez venir me ramasser ici. Voilà. Ensuite, on a eu quoi? Des grands champignons, on n'a toujours pas. On a un filon de cuivre, un dépôt de charbon, c'est pas ouf. Une bricolerie. Une bricolerie, qu'est-ce donc que ceci? Une bricolerie. Ok, intéressant. C'est pas mal. Ça nous permettrait peut-être de faire de la... des matériaux d'entraînement plus efficacement que ça. Là, non, c'est du 2 étoiles aussi. Bon, ok. Par contre, on pourrait faire des ballots de construction un peu plus efficacement. Et vu ce qu'on galère en termes de matériaux de construction, ça pourrait être intéressant. Mais bon, d'abord, l'événement. Ah, c'est encore l'ancien hôtel. 5 villageois qui crèvent. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier ça? Utiliser des outils. Envoyer 2 personnes. Qu'est-ce qu'on prend? Boîte de rosée, ça, les tablettes. Alors les tablettes, c'est 8, hein. C'est 8. Alors, seulement 0,5. Il y aurait eu 1, j'aurais pris ça, mais on va prendre ça. On va clairement prendre ça. Allez, au boulot. Ouais, bah je vais manquer de combustible, je vais manquer de combustible, hein, qui se bouge un peu aussi. Non mais oh. Ça va bien. C'est quand même pas ma faute s'il glande. Allez, 0,18, c'est pas mal. Allez, débrouillez-moi tout ça là. En plus, on a un bonus pour qui. Ouais, on produit 20 plus 1 de bois. Et en plus, je crois qu'on a un autre truc qui nous donne un bonus de bois, non? Ah, peut-être pas. Non, c'est ça, on réduit la vitesse de récolte de 25%. Ce qui est pas ouf. Mais bon. Tant pis, c'est 7 jours ça de prix. Ça y est, ils peuvent récolter là. Ce bâtiment là, il est en train de le vider, après il va disparaître. Parfait. On n'a même pas de quoi fabriquer des maisons quoi. Alors là, heureusement qu'on n'est pas niveau 5, hein, parce que ce truc là il tombe, on est dans la merde. Hein. Bon, eux après ils fabriquent de la planche à gogo. Ça c'est cool. Du coup faut qu'on brûle du charbon. Il n'y a pas photo. Et du charbon, on en produit toutes les 38 secondes. Ah, et on a de la chance de produire un petit peu de pierre aussi. Ça c'est cool. On pourrait avoir quoi? Augmente la vitesse de production de 50% et on rajoute 160 de charbon. On retrouve 160 de charbon et là. Ouais, pour l'instant 20 planches.
20 briques. Ouais, mais les briques, on peut pas en produire des briques, donc on est un petit peu obligé, quoi. Ah bah c'est Farluf qui vient après. Waouh, c'est chaud le combustible quand même là. Alors qu'on mette plus de gens au charbon là. Hein. Ouf. Livraison en cours, ils vont livrer un peu, c'est parfait. Ça va nous mettre juste de quoi alimenter ce qu'il faut. Bon, et ici, on a la farine qu'il faut, de l'huile. Est-ce qu'on sait fabriquer de l'huile? Non. On sait pas fabriquer de l'huile. Donc déjà cette mission-là, ça va être compliqué. Ça, c'est jouable, mais il faudrait qu'on interdise de manger des légumes. Et il faudrait qu'on fasse notre farine avec autre chose qu'avec des céréales, avec des champignons par exemple. Allez go. Au moins pour terminer cette mission là, avancer un peu. Les routes commerciales. Ça on en a 13 en stock, donc on pourrait faire des trucs. Par contre, ballot de marchandises de commerce, des gourdes on sait pas faire. Du charbon pourquoi pas, ah ça on pourrait faire. On en a 2 en stock. Allez on envoie. Là ils prennent quoi? Des parchemins, on en a 0, des ballots de culture, ok, des outils certainement pas. Ah, de la savate, on pourrait envoyer un peu de savate. Pas assez de marchandises, pourquoi? Ah j'en ai que 5 en stock, ok, allez on envoie. On va se faire un petit peu de thunes et faire avancer un petit peu le truc qui baisse l'hostilité. La rosée étincelante c'est un peu la teuf. Hein. On va peut-être attendre que t'aies terminé et puis passer à autre chose là. Allez hop. Alors ici, on peut ramasser que des petits champis. Là il y en a un, là il y en a deux et c'est plus proche. Go, go pour les champis. Vous. Hop. On n'a pas vraiment laissé de place pour faire un chemin là. C'est presque dommage. On va du coup en commander un. La lampe. On la déplace. Là. On va commander un chemin là. Hop. Voilà. Histoire d'optimiser un petit peu quand même. Ah c'est tellement dommage qu'on ait pas ce qu'il faut pour ça là. Là ils ont fini, ok ils sont finis, ils finissent de ramasser. Alors ici du coup ça c'est fait, est-ce que si on l'a... Ah putain ça coûte une planche de la déplacer. Bordel. Vous avez pas des planches vous en... Allez, livrez-moi ces planches là. Livrez-moi ces planches que je déplace cette ferme, je suis sûr qu'elle sera mieux ici. Toi t'es quoi toi? Ah oui non, c'est la bricole. Tout va bien, c'est le bâtiment qui est censé rien faire. Ok, on a notre planche. A été instantanément réquisitionné ailleurs. Put. Ah, j'étais pas sûr que ça. Je pourrais la déplacer gratuitement. Donc je me suis dit, on laisse comme ça. Et stat une erreur. Après, on pourrait partir sur un camp de cueillette à la place de la ferme, hein, mais bon. Alors, les dernières missions. Ok. Objectif, ça va de besoin satisfait. On va bien réussir à un moment, ça. Clairement plus vite que ça. Et là, encore des ballots ou 18 harpies.
Mortier et pilon, pour fabriquer plus de cosmétiques. Voilà, on aurait de la thune. Alors, les ballots, on est en galère pour les faire. On a plein de missions pour les ballots. Là, on va virer ça parce que là, ça commence à baisser un peu trop pour tout le monde. On a plein de farine. Est-ce qu'on en fait quelque chose de cette farine? Là, des biscuits, non. Les biscuits, on les fait là. Alors, on n'a pas ce qu'il faut. Zut. En même temps, ça, je crois qu'on le fabrique nulle part. Hein. Là, on n'a pas de racines dans les arbres. On fabrique des champignons, des œufs. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour ça, pour faire des biscuits en fait. C'est problématique. Toujours pas de planche. Pas le déplacer ce bâtiment là. Vous, enfin toi, tu travailles tranquillement là-dessus. Alors des ballots de culture, en vrai, il en faudrait 20. Donc si tu peux, fais-en 20. Ce que tu peux, de toute façon la farine on en a largement assez. D'ailleurs la farine on va peut-être mettre une limite quand même. Histoire de pas non plus trop consommer. Les matériaux de matériaux de construction, toi tu les fais à une étoile. Ouais, non toi c'est des commerces que tu fais, donc ouais non c'est légit. C'est légit, ok très bien. Cuivre éventuellement et les biscuits, bah les biscuits ouais. les biscuits c'est compliqué, c'est bon les biscuits hein, mais c'est compliqué. La viande séchée, là on en a pas mal hein. On pourrait s'en faire un peu. Allez hop, on en envoie ici. Ils veulent des trucs qu'on n'a pas, des ballots de culture. Ouais c'est pas mal, à la limite on a déjà commencé à avancer avec eux, donc go. On va essayer de faire la mission où on gagne 15 d'ambre. Parce que la reine commence à s'impatienter mine de rien. Alors, le commerce n'est pas disponible, bah non du coup. Gratitude familiale, les proches vous envoient des cadeaux. 40 gourdes pour chaque point de réputation entier obtenu par une résolution élevée. D'accord, bah ça arrive un peu tard mais très bien. Là c'est 22, là on va vers 13 et c'est 17. Et là c'est 30, donc on va booster cela. Allez hop, c'est parti. Ah parce qu'on n'a pas du tout de tissu à leur faire travailler les pauvres harpies. Hein. On a complètement laissé tomber le tissu. Alors les combustibles, le bois c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas une autre clairière? Peut-être une petite si on a. Là il y a une petite, là il y a une petite, on arrive en bout de carte. On pourrait ouvrir celle-là, elle est pas très grande. Allez go. Ouvrez-moi ça. Ouais, pas la peine de travailler là-dessus. Alors, un farluf le vieux, qu'est-ce qu'il nous propose? Des haches renforcées. Ah, ça, ça serait cool. Plus de pigments, bof. Les caches découvertes dans les carrières peuvent désormais être recyclées. 10 murets de cuivre et 30 bois pour chaque cache ouverte. C'est pas mal aussi. Excusez-moi. Et en plus, toi, t'acceptes la rosée cristallisée. Alors la rose est cristallisée, alors on y va, on en tient 12, seulement 12, hein. Chier. 0,20 pour ça, 0,31 pour les briques, il aime bien les briques. Les tablettes. Ouais. Allez.
plus. Pour 0,2 là, on a bien une petite connerie qui coûte 0,2 là. 0,14 le cuivre, une ressource qu'on a en abondance. Attends, on n'a plus aucune ressource en abondance à vendre. Il prend rien lui, il est relou. Allez, un de pierre. Voilà. Ah non, c'est pas assez. Deux de pierre. J'ai été un peu fort en fait là. $28.75, oui c'est bien, $28.75, c'est très bien. Yep. Donc on prend ça et on prend ça. Voilà. Hop. Alors autrement, il a aussi de l'huile. Combien ça coûterait? 40 d'huile. 10 balles. Compliqué, hein. Non, ouais. Bon, on va voir si on arrive à récupérer assez d'argent avec les routes commerciales qui sont en train de venir. 2 minutes 2, 3 minutes 11. Toi tu pars dans 1 minute, t'es sérieux? Oh la vache. Bon bah ça va être mort. Ici est-ce qu'on a toujours pas notre planche? Non, on a toujours pas notre planche. Bon, par contre on booste à un max notre production de bois. Hein. Et ça, ils sont enfin en train de le faire. On va enfin pouvoir travailler notre savate. Et du coup, peut-être réussir une mission. Et booster un peu la résolution de ces personnages. Merde, elle a perdu, ils ont perdu en résolution. Ah oui, parce que j'ai vendu plein de viande, donc forcément, on a plus assez de viande séchée. Mais ils vont rattraper le coup, c'est pas grave. Ici, on va mettre du lézard. Un peu de harpie, du lézard, voilà. Et donc si on en a 3, bon, le truc qui fait que les ruines reconstruites et recyclées donnent un de résolution globale. Ah par contre c'est rétroactif, donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir un bonus. Ah oui, on a un bonus direct. Ça c'est cool ça. Parce qu'on en a déjà recyclé une et reconstruite une. Parfait. Tiens, il manque un bout de chemin là. Alors, et du coup, là, on a une cache, sinon, qu'on pourrait faire. Oh, c'est pas mal, hein, cette cache. Par contre, ouais, on a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Alors, l'autre, il est parti. Est-ce qu'on a construit suffisamment pour que ça soit intéressant? 40, donc 10,80. Ballot d'articles de luxe. Tu t'en branles un peu, toi, hein. Clairement, ballot de matériaux de construction et de provisions, ça t'intéresse plus. Mais enfin, c'est quand même juste. Hein. Et si on rajoute ça, on est à 11. Donc on peut enlever un peu de cela. Allez, on prend ça et du coup, on a terminé une mission. On va directement la valider. Voilà. On a 5 villageois qui arrivent du coup. Ouh, 10 harpies, 22 lézards. Waouh. 22 lézards quoi. On va refaire une maison pour lézards. 2. Ils vont prendre, ça suffira pas. On a un point. Alors déjà qu'est-ce qu'on a comme point? La brasserie, la pépinière, le scribe. Le scribe, des parchemins et de la bière. On pourrait commencer à faire des manteaux, mais on a tellement pas de tissu. Sinon, de la bière et des aliments saumurés. Faut quoi pour des aliments saumurés? Des œufs, ok. Des tonneaux et de la poterie. On pourrait faire des aliments saumurés. Les aliments saumurés, je crois que eux, ils en veulent. Ouais. Eux non, par contre. Ils veulent de la savate et de l'éducation. Et eux, des manteaux, de la religion. Bon, là, c'est mort. Les biscuits, on va peut-être réussir, mais... Si on fabrique des manteaux, les deux, là, peuvent avoir des manteaux, mais le problème, c'est qu'on n'a juste pas ce qu'il faut pour faire des manteaux, quoi. Les parchemins, c'est trop chaud, les parchemins.
produire des racines et de l'herbe avec les champs agricoles. Ça peut être pas mal, mais il faudrait trouver d'autres champs agricoles. Ils en sont où là de notre truc? Tain, ils sont loin. On va attendre un peu pour prendre le plan. On va voir si on peut éventuellement récupérer des champs agricoles dans cette clairière. Quelqu'un en prendra la pépinière, je pense. Là, on monte à 17 et il faut 17. Très bien. Ça commence à devenir compliqué la résolution. Là, ils ont bientôt terminé cet œuf. Donc, il n'y a plus de viande ici. Donc, tant qu'à faire. Est-ce qu'on n'a pas des trucs plus intéressants à ramasser? Bah, il y a cet œuf là, ces œufs là. Allez hop, go! Ici, on est passé au niveau quartier, parfait. Plus 10% à la vitesse de production globale. Ça, c'est propre. Et je pense qu'en attendant de pouvoir faire les maisons de lézard, on va faire un abri de base. Alors, on a des nouveaux arrivants, du lézard et de la harpie. Quelques humains. Non, on va rester sur du lézard et de la harpie, ça nous permet de nous concentrer un peu plus. Par contre, effectivement, il va falloir de la maison. Hein. On va laisser une case pour faire un petit chemin. Et on va peut-être pouvoir se fendre d'un deuxième camp de bûcherons là. Hein. On a ce qu'il faut. Donc c'est parti pour un deuxième camp de bûcherons. On va raser un peu cette forêt là. Parce que le bois, c'est quand même problématique le bois. Niveau combustible, ça va. Une fois qu'on a le charbon, on est bien. Valo d'article de luxe. Ça, on n'arrive pas, c'est ouf. Hein. Faut que ça pousse, là. Alors il nous l'ouvre cette clairière, il reste un arbre les gars. Allez, on coupe l'arbre. Visiblement on commence à avoir suffisamment de ressources pour faire les maisons, ça c'est cool. Avoir un abri de rab. Très bien. Là, faut que je mette des gens dedans par contre. Allez, go, go et go. Alors, est-ce qu'on peut pas mettre quelques personnes dans des endroits où ça serait utile? Genre là, pof, pof, qu'ils aient un peu chaud ici. Hop, dans le moulin à pluie. Là, rien d'utile. Là non plus. Une personne de plus. Une personne à travailler là, ouais. Allez. Allez, deux personnes à travailler là. C'est vrai qu'au final, ce truc-là, on n'en fait pas grand-chose. Mais si ça peut permettre de vendre, c'est toujours ça de prix. Allez, ouvrez-moi cette foutue clairière, s'il vous plaît. Histoire qu'on voit qu'on tombe sur un événement qu'on est absolument incapable de faire. C'est marrant, il n'y a pas de clairière interdite sur cette map par contre. Ah si, il y en a une là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf, ça me plaît pas ça. Encore des grands champignons. Une grande couveuse sans suze, assez cool. Une grande cache abandonnée, un ranch. Un ranch. Ah oui, c'est le truc qui fait de la viande à partir de tissu, c'est vrai. Ça peut être pas mal ça. Et ça par contre, c'est quoi? Le temple du soleil oublié, qui pourrait bien vénérer le soleil dans un monde où on en voit à peine les rayons. Détruit toutes les marchandises de commerce dans l'entrepôt. Ballot de marchandises, ambre et ancienne tablette. Ah!
Oh la vache. Ça pique les fesses. Ouais. Oh, mais c'est que 0,5 de réputation en plus. Oh, c'est tellement cher, c'est tellement chaud. On va prendre ça. Il faut travailler dedans là. Et donc du coup, il nous faut des ballots de marchandises de commerce. Alors, qui fait des ballots de marchandises de commerce? Est-ce qu'on en fait déjà? Ah, on n'en fait pas. Ok, c'est un problème. Ballot. Non, on sait pas en faire. Merde. Alors, est-ce qu'on a une... dans nos plans, on a un truc pour en faire? Non. Donc, bah, du coup, pas ça. Annulé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des articles cosmétiques, on sait faire. Des outils. Mais alors, les outils, je crois que c'était compliqué. C'était là qu'on les faisait. Ouais, faut des lingots. Ah, mais on peut les faire avec ça et avec du bois ou des planches. Ouais, alors, priorité max sur ce truc. Il nous faut un max d'outils, donc vous vous démerdez. On va commencer à avoir une production de bois un peu plus importante. On va désactiver les planches pour l'instant, quoique non. Et on peut prendre des planches aussi, donc à la limite s'il y a des planches sur place. Sinon, l'encens est mort. Les articles cosmétiques, on en faisait ici, je crois, dans un des trucs ici. Voilà, il nous faut quoi? Des pigments? Non, on n'a rien. De l'huile et des œufs. Alors les œufs, c'est jouable, mais ça c'est mort. Donc non, les outils, il faut faire des outils, genre vite. Go. Ouais, bah y a pas de bois, y a pas de bois, je sais, mais dès qu'il y a du bois, vous me faites des outils. Bon, alors du coup là, on va prendre la pépinière quand même. Ça va pas être simple cette histoire. Alors là, ça va être... Ils en font pas de la savate là. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. C'est toi qui fais de la savate. Ah bah oui, il faut des planches donc du coup non, on n'en a pas. Le petit camp ici, il a plus rien à faire. Alors, il y a des petits champignons ici. Bah écoute, allons-y pour des petits champignons. Hein. Ouais, les éclaireurs sont inactifs là, je sais, mais bon. Alors là, qui c'est qui se sert de mes légumes? Pas toi, pas toi. Des briques, vas-y, fais des briques avec de la pierre. Toi, non. La viande séchée, il n'y a plus de quoi en faire. Les légumes sont utilisés là. Prenez pas. Ah oui, bah, alors, du coup, on a besoin de ça pour faire des briques. Donc les briques n'ont pas de pierre. Vous, faut aller ramasser la viande là. On a besoin de viande. Bougez-vous. Tout le monde a un toit. Ouais, on a trois bâtisseurs. C'est pas mal. Ici. On va peut-être vous faire travailler quand même sur une petite clairière, vous. Genre celle-là. C'est un peu loin, je sais. Mais à un moment, il faut se secouer les puces, hein, comme dirait l'autre. Là, il faut qu'on arrive à faire des légumes et des céréales. Alors, le problème, c'est la farine. La farine, on en a combien? 70. Ok, donc on n'utilise plus de céréales là, normalement. De toute façon, je vais désactiver. Un ballot de construction n'en fait pas de mieux ailleurs, non? Une étoile là, rien là. Non. Ok. Bon.
Ici, vous faites des outils. Ouais, vous faites des outils, parfait. On en est où? 1 sur 6, bon. 2-3 productions et ça devrait aller. D'être juste en ça en fait. Alors non, on en amène 5. Ça devrait passer de justesse. La nourriture là, ça rigole plus quoi. Limite, dès qu'on aura les 10 légumes, on leur demandera de faire que des céréales jusqu'à ce qu'on ait suffisamment. La tempête. Ça devient compliqué cette mission là. Là on va virer ça pour que eux ils se cassent pas trop la figure. On arrive à avoir un petit peu de bois. Ça c'est cool. Ouais. On va quand même enlever une personne là. C'est quoi le prochain négociant? C'est Saïda. Ouais, là, faut me ramasser de la viande. Là. 100% de chance d'avoir du cuir, 60% de chance d'avoir un peu plus de cuir et 20% de chance d'avoir des œufs. Et c'est vrai qu'en plus, on a le truc qui fait qu'à tous les 10 œufs, je crois, il y a un lézard qui pop. Tous les 25 œufs, il y a un lézard qui pop. Donc, 26 lézards, du coup. Les maisons pour lézards, ça demande du tissu. Voilà, c'est chaud le tissu. Faible résolution pour les harpies. Bah ouais, ouais, mais bon, que je vous dise moi. Oula, mais pourquoi ça se casse la gueule comme ça? Ah, on a ce truc là qui s'est activé. Moins 2. Ah oui, on est passé au niveau 2 ici. Ah, ça pique. Ça pique, ça pique. Bon, ça devrait passer pour cette tempête là, mais la prochaine tempête, si on n'a pas de la savate. Ça va être compliqué. On va désactiver ça du coup. On veut de la savate. Il nous faut des planches pour faire de la savate. Au niveau des outils, ici on en est où? Toujours que 1 sur 6, vous déconnez là? Il y en a eu plein de faits. Ils se vous foutaient. Ils ont pas livré encore, c'est ça? Ouais, ils sont là, mais ils sont pas livrés. Force la livraison, là, il nous les faut ces outils. Il peut bouger cette jauge? Il peut bouger cette jauge. Bon, bah ça va passer pour cette fois, mais on peut plus vraiment faire monter la résolution, du coup, là. Hein. Ouais, là c'est compliqué. On va virer ça. Alors, on va virer ça parce que du coup ça nous bouffe nos légumes. Alors, moins 40 à l'hostilité pour chaque relais amélioré. Ça c'est cool. La colonie se spécialise dans la production de matériel d'entraînement. Plus 1 de résolution pour chaque production de 70 matériel d'entraînement. Alors 70, c'est quand même compliqué. On va prendre ça. On va directement, voilà, remonter, descendre là. Cash, ça c'est cool. Allez, un petit peu de barbac là, faut l'amener, on va vous mettre une route. Vu le monde qu'on est, je pense qu'on va aussi commencer à ramasser des céréales. Il nous faudrait un petit camp de cueillette. Là c'est loin, là c'est loin, là ça va être en plein sur la route. Go, on le fait là. Il faut 2 humains dedans là, ça va booster un peu. Allez, lézard, à la mine.
Ici, du coup, ça y est, ils sont démarrés. Ok, parfait. Le petit vin de planche va nous donner un petit tampon pas inutile. Et là, on va passer 1 minute 13, 1 minute 3. Ah putain, on va voir ce malus qui va tomber. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? De l'ambre. On a 12 ambres. Et on a pas de ballot de marchandises. Mais je pense que c'est tous les ballots de marchandises là. Toi, t'arrives quand? Dans 1 minute 50. Viens tout de suite. On va liquider tout ce qu'on peut. Et puis pour les quêtes. De toute façon, ça va être détruit donc. Alors, est-ce que déjà on a des routes commerciales faisables? De la farine, tiens, bah, on peut envoyer de la farine. C'est parti, on envoie de la farine. Ici, de la viande ou des racines? Non. De la pierre? Non. Des aliments sommaires ou des biscuits? Non. Faut pas réussir à faire nos biscuits, quoi. Bon, dès qu'elle arrive, faut liquider les stocks avant que ce truc-là s'active. 49 secondes, 15 secondes. Tant pis, c'est comme ça, hein. Mais l'impatience monte beaucoup, là. Ok, elle est là. Alors, du coup, t'as quoi? 4 fibres de plantes pour tous les 12 légumes, pourquoi pas. Plus 1 de production d'argile, on n'en fait pas. 3 vins pour chaque production de 15 bières. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, de toute façon, on vend tout. C'est con, mais on vend tout. Tout ça, ça fait 30 balles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter en échange? T'as pas de tissu, t'as des planches. Éventuellement des planches. Des insectes, sinon. On aimerait bien quelques insectes. Un petit peu d'ambre pour avoir ça. 18, on en a 12, donc il nous en faut 6. 6, ça suffit. Il faut pile poil ce qu'il faut. 20. Alors la farine, on a largement ce qu'il faut, des planches du coup. Puis un petit peu de céréales pour être à 30-66. Allez, parfait. Hop. Et on prend ça. Voilà. Et là, on a plus rien. Eux, ils vont nous en faire malheureusement. Mais bon, à la rigueur, on va surveiller. C'est dans 28 secondes. On va acheter quelques céréales avec. Allez, pouf, pouf, c'est parti. Ils sont où? Ah, tu les vends, tu les prends pas? Ah non, ils sont dans le stock. Est-ce que c'est détruit dans l'entrepôt? Dans l'entrepôt, ok, non, parfait. Là, il nous faut deux humains. Rouillez-vous, il nous faut des céréales, plus de céréales. Donc, toujours plus de céréales. Ouais, on est à zéro partout, donc c'est parfait, ça va passer. 3 secondes, 1 seconde, attention, c'est le drame. Oh bah ça a été... Ça a été discret, on pourrait dire. Ils en sont où de la petite là-bas là? Ça avance. Oh, ils coupent un arbre là, ok, pourquoi pas. Bon, bah on est reparti pour refaire nos ballots, hein, et puis c'est comme ça. Ça, c'est fini déjà. Alors, le camp de chasse ici, il a terminé son taf. Et bah, retourner nettoyer ses œufs. Il y a des petits œufs là aussi. Putain, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir ramasser ces grands champignons. C'est la tristesse. Là, toi t'as plus rien à ramasser. Et là, les champignons, ils sont là. Hop, allez hop, c'est parti. Nos derniers champignons. Alors on a à peine fait la moitié quoi. 15, 22, 12, 19, ça passe pas. Si je mets un boost de 5, c'est pas suffisant. Ah, on en a un qui a pas de maison.
Faisons une maison pour lézard. Alors, la bruine. Non, l'accalmie. On est en accalmie. Ici, ils sont en train de vider. Le petit boost de planche va faire plaisir. Est-ce qu'on peut bouger ça, du coup? On n'a toujours pas notre planche. Ah, et là, il y a quoi? Des nouveaux venus. Ah, c'est chaud. C'est chaud niveau population. Hein. On commence à avoir un peu trop de monde. Prochain événement qui nous propose de tuer des gens, on va peut-être accepter d'en perdre quelques-uns. Bon, après, si la résolution se casse trop la figure, ils s'en vont. Hein, mais... Ouais, toi tu peux rien faire là. Alors ici du coup, on va baisser un peu la priorité de ça, on va repartir sur les planches. Faire des petits outils pourquoi pas, mais surtout des planches si possible. Ici, on a toujours pas ce qu'il faut. Alors là, on a découvert quoi? Une petite couveuse et des dépôts de charbon. Oh, c'est nul. Bon, c'est des toutes petites, alors forcément on découvre rien d'intéressant, mais... Ça c'est une dangereuse, ça me paraît quand même tendu vu la situation. On pourrait essayer d'ouvrir celle-là. Parce que bon là on a... Ouais, il y a quand même un peu de viande, hein. Il y a trois dépôts là. Ici on arrive à faire de la savate ou pas? Ouais, on arrive à faire un peu de savate. Pour une personne. Et là pour 4 personnes. Pas encore gagné. Hein. On pourrait peut-être mettre un mec de plus ici à travailler. Bon, pareil, il faut de la pierre, du truc comme ça, du truc comme ça. Ou des planches, ou des roseaux. Si on a des roseaux, allons-y. Les tonneaux, vous en faites pas plus. Hein, on en a 10, vous en faites pas plus. Ouais. Alors, la rosée cristallisée, je l'ai pas désactivée. Non, elle est là. Ah mais c'est pareil, il faut de la pierre. Hein. En fait, il est hyper déséquilibré ce biome. C'est hyper tendu quoi. Sauture l'ancien. Tiens, je le connais pas lui. On verra ce qu'il nous veut. 14 outils ici, c'est un peu trop. Et là, on pourrait faire. Hein, on pourrait faire ça. Hein. Ici. Il nous faudrait 10 outils. 10 outils, c'est faisable. Allez, go. Dès que vous aurez vos outils en avant, on va du coup rester en priorité 1 ici. Tous ces gens qui glandent parce qu'ils n'ont pas les ressources, quoi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais je ne vois pas trop comment on peut faire autrement, malheureusement. On pourrait éventuellement commencer à ramasser du cuivre ici. On pourrait raser tous ces bois, faire une mine. Ce serait envisageable. On pourrait aussi faire un foyer, hein. Commencer à envisager un nouveau foyer. Histoire d'optimiser la production. Avec un entrepôt. Je crois qu'on n'a plus assez de composants. Non, on n'a plus de composants. Ici, bah oui, bah les outils vont arriver quand ils arriveront, hein, vous m'excuserez. Voilà, il y en a déjà deux qui se font. Nos briques, ça commence à devenir compliqué aussi. Et c'est la tempête. Mais on est en niveau 1, on a réussi à redescendre en niveau 1 quand même largement, donc ça va. Alors vous, il faut qu'on ouvre une clairière. On est en train d'en ouvrir une là. On est en train d'en ouvrir une ici. Donc l'objectif, ça pourrait être de faire de la place... Où ça? Là.
le petit camp d'herboristerie ici, ils ont terminé et on n'a plus rien à leur faire faire malheureusement. Donc bah du coup on va devoir le laisser là. Non, hop. Oh. Ah, on en a un qui a pas de toit par contre. Petite maison pour lézard. On pourrait commencer à construire une maison là. Ouais, mais il faut attendre que ça soit fait. Parce que là, il y a 50 personnes dans notre village. 50 personnes quoi. Alors, c'est ça, hein, les bonus de ce genre là, c'est cool. Mais ça peut être très très difficile à gérer quoi. En fait, quand vous avez trop de monde, bah c'est pas évident. Oui, je l'ai foutu là l'entrepôt, mais en vrai, c'est pas grave. Tant pis, de toute façon, pour gagner un truc là, ça valait vraiment pas le coup. Est-ce qu'on arrive à faire nos légumes? On a bientôt nos légumes. Ah, mais on a deux trucs qui sont terminés, tiens. Parfait ça. Allez hop. On livre ça, nickel, 5 personnes de plus, de la thune, plus de savates. Ici, on livre aussi 10% de vitesse de déplacement pour les villageois à des composants et des lingots de cuivre, ça va faire bien plaisir. Un plan. Le tailleur, la presse, on pourrait faire de l'huile, mais c'est pas une priorité. La bière, la tissanderie pour faire du tissu de manière plus efficace, oui. Et en plus, on peut faire des ballots de marchandises de commerce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Oui, clairement, on prend ça. On prend ça et on le fait immédiatement ici, dans le petit trou. Hop, il faut quoi pour le fabriquer? Des planches seulement, donc du coup. Là, on laisse les tissus. On arrête de faire du tissu ici, c'est le dernier tissu que tu feras. La bouffe, par contre, c'est compliqué aussi, hein. Vu qu'on fait plein de farine, mais qu'on sait pas trop la transformer, je pense que limite, quand on aura vendu ça, il faudra qu'on arrête cette ferme. Ok, là on va pouvoir commencer à faire de la maison. Ouais, la mettre en ballot et la vendre, c'est tout à fait possible. Alors, 1 la résolution pour 3 niveaux de relations sur les routes commerciales, ok. 10 ventes séchées pour 10 tartes. Alors les tartes, on sait pas faire. On en est où de nos routes commerciales? Là, on est au niveau 1. Ah, on pourrait envoyer des tonneaux. C'est parti. Et là, des aliments saumurés non, et de la savate non, la pierre et des racines, certainement pas. Ouais. Alors là, on est à 17, c'est toujours 22, ça passe pas. 23, c'est 30. Si, 17 et 22, ça passe. Et là, 13, on vise 19, non, mais par contre, eux, on peut les booster. 22, ça passe. Allez, c'est parti, il faut qu'on essaie de profiter de la brune au maximum. Et là du coup, 1 à la résolution par palier de 3 niveaux de résolution, ouais non bah c'est nul, et ça c'est nul aussi quoi. Si on refuse, je sais pas ce que ça fait. Ah, on a une quantité faible de sol fertile. On va prendre ça parce que ça peut nous permettre de gagner un petit peu en résolution. À droite à gauche. Mais alors vraiment à droite à gauche. Ah oui, le problème c'est qu'ici ils vont là, donc non, concentrez-vous sur ça vous. Alors en outils ils en sont où On est à 9 sur 10, c'est pas mal, c'est pas mal. Largement. J'ai entendu un bruit de clairière? Non, pas encore. Voilà, ça y est.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouf, on a des gros trucs. Alors, ah, on a de la pierre. Oh non, c'est un grand. Je sais pas si on va pouvoir le miner. On a des grands champs de blé, on a du charbon, du cuivre, une tonnellerie et un ancien hôtel. Ok, l'ancien hôtel, on connaît. On va y aller direct avec vous deux, par exemple, voilà. Et on va prendre la réputation. Ouais, faut qu'on avance, hein, la réputation. Est-ce qu'on sait quand de taille de pierre? Oui, on sait faire ça. Parfait, go, construisez-moi ça. Et ça, il faut un camp de cueillette et on n'en a pas. Donc on l'a dans l'os. Très bien. Je vois, je vois, je vois. Les planches, c'est toujours compliqué les planches ou pas? C'est où nos planches? Elles sont là. C'est toujours compliqué nos planches. La nourriture aussi c'est compliqué, on est tellement nombreux, alors il va falloir qu'on fasse quelque chose. Non. On peut toujours pas ramasser ces grands champignons. Ici on a de la bricolerie qui nous permettrait de faire quoi? Des outils, du matériel d'entraînement. Du ballot de construction, ce n'est pas une priorité. Là on n'a pas de bouffe directe. Ici on a un petit peu de nourriture mais on est déjà à fond dessus. On est trop nombreux en fait pour notre production de nourriture. C'est là qu'est le problème. Et la pierre ça va nous sauver par contre. Ça va nous permettre de faire de la rosée cristallisée, ça va nous permettre de faire de la savate. Ça va clairement nous sauver. Là on va mettre deux comme ça. On va permettre de prendre ça et ça. Ça, ça va pas mal nous aider aussi. Le matériel d'entraînement par contre... Là on est à 2 étoiles je crois. C'est où? C'est là. Ouais, donc ça vous faites pas. Oula, excusez-moi. Et là, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre la farine, vous pouvez prendre les tonneaux aussi puisqu'on en fabrique. C'est parti. Faites-nous des ballots. Des ballots, des ballots. Attends, on est à 9 sur 10 légumes là, vous êtes sérieux? Il faudrait qu'on arrive à transformer nos céréales en quelque chose de mangeable. Et les biscuits, on peut pas les faire, pourquoi? Toujours pour la même connerie qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut. Ah, il va falloir qu'on fasse une pépinière, je pense. Pépinière, elle fait des herbes et des racines. On a que ça comme champ agricole, donc pour l'instant, on va faire... en urgence, une pépinière là, sur ces deux champs là. Tant pis, c'est comme ça, priorité haute. Il va falloir qu'on fasse des bâtiments pour faire plus de planches aussi. Alors pour les planches, on a quoi? On a rien pour les planches, on a que la station de travail primitive qui nous permet de faire des planches. Mais vu qu'on a rééquilibré là, je pense qu'on va réactiver les planches ici. Voilà. Vas-y, fais des planches. Go. Là, on va fabriquer ce truc là rapidos. Ici, ça devrait se faire. Allez, les 10 légumes là, si on pouvait en avoir un dernier. Putain, y a plus rien à bouffer quoi. En fait, y a plus rien à manger. Donc il faut qu'on arrête ça, malheureusement. Un petit peu de viande. Ah, il la mange direct la viande. On va leur demander de plus manger de viande. On va essayer de la transformer en... Ah, il n'y a plus de minerai ici. Et bah c'est triste. Niveau charbon, on a de l'avance. Ça commence à être un petit peu tendu, tendu, hein. On va pas se mentir. Doucement, petit à petit. Il va falloir qu'on vise les réputations là. Ça, on pourrait le recycler rapidement. Hop, on envoie 3 personnes dedans. Go. En plus, ça va booster un peu la résolution. Ça, il faudrait qu'on le retape. Comme ça on pourra faire de la viande. Vous, bah vous allez laisser la mine pour l'instant.
On verra si on a de quoi la recharger à un moment. On va envoyer une personne de plus ici pour travailler sur les planches. Toi du coup. Alors d'ailleurs j'ai pas vu mais c'était une grande, il devait faire seulement... Ah oui, il y avait un truc négatif mais on est dessus. Ok, c'est bon. Là, il nous faut des gens qui bossent là-dedans. Au travail. Ramassez-moi de la pierre. En plus on peut trouver des racines et des insectes, c'est parfait. La tonnellerie. Je crois qu'on en a déjà. Hein. Ouais, on en a déjà. La tonnellerie, on sait déjà faire, donc on va la recycler. 10 planches, on échange de 4 planches et 4 trucs. Alors, en échange de ça, go, travaillez dessus quand vous pourrez. Là, normalement, il devrait bientôt avoir ce qu'il faut comme outil. Là, ce qu'il faut là, 6 outils, livrez-moi ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, ils sont inactifs dans l'orange, ils sont inactifs là, on sait. On a un petit peu de viande séchée à manger. Ici on va essayer de faire des baies, non des herbes et des racines pour faire des biscuits. Le truc qui est le plus optimal, je crois que c'est... c'est les herbes, donc c'est parti pour les herbes. Alors je sais pas trop comment ça va se passer vu qu'ils vont être deux à travailler dessus, mais on verra. Là c'est parti, ils sont partis pour faire ça. Ok, très bien. Au niveau des missions, on a toujours pas notre 10e légume quoi. Allez, faites un petit légume quoi. Juste une petite connerie de légume. Un légume, je vous demande un légume. Et puis on l'achète, hein. Allez, un légume. C'est parti. Priorité aux légumes. Allez, dès qu'ils ont le légume, là, je les envoie livrer. Et je pense qu'on va les faire, même si c'est qu'une étoile, on va les faire plutôt travailler sur des légumes sur cette zone en fait. Allez, un légume. Oh, on a des gens qui arrivent. Oh là là. des outils. On prend les outils. On va refaire des maisons dans le coin là. Allez, le légume. Vous voyez. C'est parti, livre-moi tes légumes. Mais va pas te reposer, livre les légumes j'ai dit. Enfoiré. Enfoiré. Ils vont se reposer quoi. Les salauds, les salauds. Bande de feignants. Allez, une maison pour les arts, ici. Et un abri, là. Ici on est combien? On va bientôt être ce qu'il faut. Alors, Sauture l'Ancien, qu'est-ce qu'il fait Sauture l'Ancien dans sa vie? Quel endroit curieux, je me souviens encore du temps où cette contrée se trouvait entièrement sous l'eau. D'accord, ok, c'est un caravanier mystérieux. D'ailleurs, il va être largement temps qu'on arrête cet épisode. On va d'abord regarder ce qu'ils font. Technique secrète, hein. La durée de vie des combustibles est prolongée de 25%. Moins 15% de durée de la tempête. Ouf. Production de champignons est augmentée de 1. Ah, ouais, on prend ces deux trucs là, il n'y a pas de question. Et on regardera ce qu'il a à vendre la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit au revoir dans le chat si vous voulez. Je bois un coup. Et on se dit à très vite pour la suite pour voir si on arrive à faire cette mission.